En gros, la vidéo c'est pour le recrutement au reset, du reset prochain parce que le reset approche à grands pas. C'est ce qu'on m'a dit. Et vu que je veux organiser une fac à peu près potable, j'espère que bah, ça va marcher déjà. Putain, par contre, excusez-moi pour la qualité. Je suis pas avec mon PC, je suis avec mon PC portable donc c'est un peu chouchou. Mais bon, bref. Je vais préparer un paint, voilà. Bon, je l'ai fait à l'arrache tout à l'heure. Mais en gros, ce sera notre base, ça. Donc, je vous explique. Donc là, déjà, premièrement, vous pouvez voir que ça marche par bunker. Donc là, les deux points noirs, donc ce sera le claim pour les spawners. Donc ce sera deux claims de spawners. Après, on verra combien on fera d'étages. Enfin, vous voyez le dire. Là, c'est une couche de sable en gros, vu que ce sera un bunker à lui-même. Donc il y aura une couche de protection. Ici, ce sera les bunkers de la première fac, donc entourés en jaune, ici. Donc il y aura trois bunkers. Donc les bunkers, j'ai pas dit, mais c'est entre 2 et 4, voire plus de personnes. Je vous expliquerai après pour le plus. Donc en gros. Donc là, nous avons 3 bunkers de la première fac et 3 bunkers de la suivante, de la deuxième fac tout simplement. Entouré, donc là, si on est chaud, on fera une couche de sable, mais je pense pas. Je pense plus qu'une seule couche de table par bunker suffira largement, voire peut-être deux pour les spawners, mais je pense que là, ils sont déjà tranquilles. Donc en tout, il nous faudrait donc 45 clems, bon, on pourra les équilibrer, hein. Mais en tout, ça fera 97 clems. Donc on peut faire genre 50, 47 ou des trucs comme ça, bref, vous voyez le délire. Donc là j'ai mis 45 pour la jaune, donc c'est celle qui aurait le moins de claim pour accueillir des AP tout simplement. Je vais pas faire un AP par fac, ça sert à rien. Parce que, enfin ouais peut-être, enfin on verra, bref. Donc en gros il y en aura 52 pour la deuxième faction. Après j'ai mis des traits verts là. Donc en gros, c'est tout simplement, c'est très vert, donc c'est tout simplement des bunkers, des triple bunkers, voire double bunkers, qu'on pourrait créer. Donc, qu'on pourrait tout simplement, si les membres veulent agrandir le bunker. Et, en fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est que si par exemple, ils sont 5 dans un bunker, l'agrandir, tout simplement faire un double bunker ici, ou carrément à l'intérieur, en fait, pour les bunkers extérieurs. Sans que ça empiète sur les couches de sable d'un des bunkers. Donc je trouve que c'est pas mal. Et au moins c'est un système de bunker. Donc en gros, là vous aurez juste access porte en fait tout simplement. Et là, chacun aura ses access de bunker. Donc en gros, ça limitera à fond le pillage interne. Et il y aura toujours un espace de farm. Et le FOM en gros, ce qu'on va faire, ce sera qu'il sera... Enfin, on n'a pas encore défini, mais c'est soit il est au spawner, mais moi je pense pas que c'est une très bonne idée, soit il est à des AP, genre si on prend un double AP ou comme ça, aux AP, soit on le met vers des facs ennemis ou comme ça, qu'on puisse déplacer, enfin bref. Donc en gros, là, ce sera des beds ou pour des grades. En gros, des 7 hommes de grade. Donc, je vais revenir sur le jeu, voilà. Donc en gros, les recrutements sont ouverts à partir de maintenant. Je sais pas encore, je dirais quand je vais les arrêter ou pas. Enfin, quand je vais arrêter les recrutements. Donc, sachant que je peux pas vous mettre, mais c'est sur mon autre PC, j'ai déjà une énorme liste de recrutements. Je crois qu'on est déjà 50. Il y a vraiment une pété de monde. Donc en gros, pour vous faire recruter, tout simplement, il faut... en gros déjà... Là, vous pouvez être carrément sûr que... Ah ouais, je vous ai pas expliqué. La fac jaune, ce sera la fac des, entre guillemets, famous. Donc en gros, soit des youtubeurs, soit des gens, genre des copains, tout simplement. Bah, soit des amis IRL, soit des potes genre Clone, Gorba, Mélissa, des gens comme ça, que je recruterai. La fac, on va dire rouge, c'est la fac, je privilégie... en guillemets mes abonnés, mais c'est des gens qui ont été tout simplement
enfin, où j'ai une petite reconnaissance, tout simplement. Donc en gros, il y aura des places qui sont tirées au sort. Donc je vous referai une vidéo dans peut-être un mois, ou juste avant le reset, pour les tirages au sort de ces personnes. Ça sert à rien de venir sur Skype me dire ah recrute-moi machin. Ça, j'en ai rien à foutre. Donc, tout simplement, vous mettez votre Skype en description. Genre Skype 2 points, votre nom, par exemple Decepneuse, slash Quentin. Et votre nom dans le jeu, votre nom IRL. Et une proposition de nom de faction. Juste une. Parce que le nom de les noms de faction ne sont pas encore établis. Je ferai voter. Ne vous inquiéterez pas, il y aura un stream poll. Je veux que ça se dit comme ça là-dessus. Donc, aussi, je vous remercie pour les 900 subs. C'est sympa. Donc, je pense genre, d'ici une semaine, je pense faire un petit concours. Je sais pas encore quoi. Je sais pas encore combien. Donc, on verra bien. En tout cas, c'est sur YC. Peut-être ce sera du PayPal. Enfin, je sais pas, bref. On verra bien. Donc, moi, je vous dis à plus. Allez, bye bye les gens.